Bonjour à tous et à toutes. Je sais que vous aimez le recyclage. D'ailleurs, nous allons de suite poursuivre pour une nouvelle création. On y va? Pour la réalisation de ce projet, rien de plus simple, juste tenir compte que les mesures sont en centimètres. Pour le plastique, quitte à couper 18 sur 8, ou vous le faites sur une feuille, ou vous le faites avec une bouteille de recyclage. Et moi, c'est ce que je vais utiliser, la bouteille. À partir d'une bouteille, j'ai récupéré de la matière. Couper 18 sur 8, arrondir l'extrémité des deux côtés, préparez votre biais, pliez 1 cm de ce côté et repassez, et vous faites la même chose pour l'autre. Pliez le biais en deux et repassez. Pliez le rectangle 0,5 sur 0,5. Vous faites la même chose de l'autre côté. Piquez les deux côtés. Point d'arrêt début et fin. Posez le biais de ici jusqu'ici. Faites dépasser 1 cm et piquez. Vous aurez ça. Coupez l'excédent du biais. Faites une autre surpiqûre au milieu du biais. Pliez votre rectangle dans le sens de la longueur. Bien joindre les deux extrémités. Épinglez et coupez. Laissez toujours épingler ici, ne touchez pas. Mettez votre visière milieu sur milieu. Vous devrez avoir la même distance ici que ici. Retournez l'autre pièce et piquez 1 cm, point d'arrêt début et fin. Mettez quelque chose de lourd sur la lisière et préparez facilement ainsi vos plis. 1 cm de profondeur. Vous avez préparé vos plis et vous allez venir faire la même chose de ce côté. La largeur ici doit être égale à celle-ci. Posez votre élastique à 1 cm du bord de la lisière. Attention au sens de l'élastique et posez l'autre extrémité à 1 cm du bas. Épinglez et préparez l'autre côté. Faites une piqûre de maintien du début jusqu'à la fin afin de maintenir les plis et l'élastique. Une piqûre à 3 mm du bord. Ramenez vos deux élastiques bien à l'intérieur, épinglez si besoin et maintenant fermez le côté en mettant bien sûr bord à bord épinglé, piquez la valeur de 1 cm, point d'arrêt début et fin. Au même endroit, passez un point de zigzag. Remettez à l'endroit, épinglez l'ensemble, mesurez 5 cm d'ici, la même chose de l'autre côté. Faire une piqûre nervure de cette aiguille jusqu'à là. Point d'arrêt début et fin. Vous faites la même chose de l'autre côté et vous resterez toujours avec une ouverture ici. Rajoutez la dernière surpiqûre au niveau de la visière à 1 cm du bord. Ne prenez pas la visière, prenez juste les tissus. Ça vous donnera ça et ça. Bien sûr, la petite ouverture, vous l'avez tous compris, pour pouvoir mettre un mouchoir. Et voilà votre masque avec votre visière. Et n'ayez aucune inquiétude à le faire avec une bouteille en plastique et aucune inquiétude à piquer. Ça va très bien. Les mesures données sur le tutoriel sont les mesures pour la taille M, la taille L
et la taille XL. En attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas un petit like, un commentaire et surtout, abonnez-vous!